Et salut, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et oui, vous l'avez compris, la première vidéo de cette semaine sera consacrée à des jeux humoristiques. Et le premier d'entre eux, eh ben, ce sera Ghostbusters. Je pense que vous l'avez reconnu. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas peur des fantômes, parce que sinon, bah, il va falloir soit s'armer, on va dire, de courage, soit eh bien, peut-être regarder des vidéos de petits chats mignons pour éviter de se faire peur. Voilà. Donc Ghostbusters, bah, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça vous le savez bien, ce que c'est que Ghostbusters, c'est évidemment au départ une licence filmique, on va dire, bien connue des années 80, qui nous a enchantés, nous, quand nous étions jeunes. Voilà, qui a eu deux opus, on va dire, majeurs, puis après une suite dans les années 2010, c'était 16-17, qui était pas terrible, hein, faut quand même le reconnaître. Bon, il y avait quelques petits éléments un peu drôles. Voilà, merci à Chris Hemsworth de cette couverture de ridicule dans le film pour nous faire rire. C'était le seul qui était drôle, en fait. Donc, un Ghostbuster héritage, entre guillemets, je crois qu'il doit s'appeler comme ça, qui date donc de quelques mois, que je n'ai pas vu, mais que bon, voilà, je ne sais pas s'il est vraiment bien. Bon, il y a plein d'hommages, plein de petites choses. Voilà, vous en jugerez. Moi, en tout cas, je reste sur les deux premiers films. Et c'est ceux qui ont été utilisés, justement, pour faire cette édition-ci, donc qui date de 86, qui est chez Western Game. Voilà, Western Game qui sont, on va dire, les pionniers dans les années 80 des jeux, on va dire, radicalement différents, on va dire, et originaux. Donc Ghostbusters fait partie des premiers d'entre eux, tout comme d'ailleurs, j'en parlerai ensuite, donc Paranoia, justement. C'est eux aussi qui ont fait donc Star Wars D6, qui a hérité du système de Ghostbusters, d'ailleurs, et Torg, évidemment, ainsi que le Master Book System, voilà, qui était donc le système de jeu de Torg, qui a été décliné pour plusieurs univers, on va dire. Alors il y a eu donc Indiana Jones, Tank Girl, Les Contes de la Crypte, et donc Blood Shadows. Voilà, je consulte ma bibliothèque pour servir de pense-bête. C'est bien de l'avoir quand même autour de soi, ça permet d'éviter les trous de mémoire parfois. À mon âge, ça peut m'arriver. Donc voilà, Ghostbusters, c'est vraiment un coup de poker, je dirais, de la part de Western Game, d'avoir voulu donc déjà adapter cette licence aussitôt après, on va dire, la parution donc du premier film. Et d'ailleurs, ils vont faire une deuxième édition à l'occasion du deuxième film, qui est le fameux Ghostbusters International, que voici, voilà, qui était paru aussi sous forme de boîte à l'époque. On aimait les boîtes. Et donc, eh bien, Ghostbusters vous permet justement, en tout cas dans la première édition, bah, de revivre d'une certaine manière les films en jouant justement les membres de l'équipe d'origine. Voilà, donc dans la boîte en question, il y a voilà, tout ce petit matériel-là, des cartes à détacher, les feuilles de personnages justement que je vais vous montrer, des dés. Donc c'est un système qui est à base de D6, puisque voilà, c'est l'ancêtre du système D6 du Star Wars que l'on connaît. Et donc il y avait deux livrets. Un livret, on va dire, pour comment jouer, et quelques petites, et un petit catalogue aussi de West End Game. Un catalogue, justement. Je pense que vous saurez à quoi je fais référence si vous avez vu le live de mercredi dernier. Et donc, eh bien, nous avons dans cette proposition ludique, eh ben voilà, les petites feuilles de personnages. Donc là, on a notre très cher Peter Venkman, voilà, avec ses différentes caractéristiques. Donc dans le système de jeu, pour jouer donc des crasseurs de fantômes, comme diraient nos amis québécois, on a, on va dire, quatre attributs qui sont donc brains, le cerveau, quoi, si vous voulez dire, l'intelligence. Muscles, le muscle, voilà, plutôt l'aspect physique. Moves, plutôt l'agilité. Et cool, c'est, on va dire, la volonté, le sang-froid. Voilà. Et on a des talents. Et les talents, en fait, nous permettent d'avoir un bonus quand on utilise ce talent spécifique, qui est égal, en fait, à l'attribut plus 3D supplémentaire. Et donc, le principe du système de jeu est très très simple. On jette autant de D6, dont on inclut également le Wild Eye, le dé fantôme, enfin dans la version de Ghostbusters, on appelle ça le dé fantôme, voilà, qui a la particularité d'avoir un symbole, évidemment,
de fantômes. Si je le mettais dans le bon sens, c'était mieux. Sur le 6, voilà. Et donc, ça déclenche évidemment des effets particuliers. Si vous faites un 6 là-dessus, sinon ça compte comme un dé normal. Bon, sauf évidemment si vous faites un 1, ça marche comme le dé, donc le dé libre tel qu'on le conçoit à Star Wars, qui n'a apparu que dans la deuxième édition d'ailleurs, de Star Wars D6. Et ça marche à peu près de la même manière. Donc après, on a des brawny points. Les brawny points, en fait, c'est un peu vos points de vie, vos points de, on va dire, d'endurance, de fatigue. Vos points de tout, en fait, ça permet aussi, en dépensant évidemment, d'avoir quelques petits bonus. Et donc, évidemment, c'est un jeu où on ne meurt pas, hein, faut dire ce qui est. Même si vous êtes retombé à 0 brownie points, vous n'êtes pas mort, vous êtes juste, on va dire, envoyé à l'hôpital et vous vous en sortirez, on va dire, plutôt pas mal. Et vous aurez tout de même vécu, je pense, une très belle aventure. Voilà. Donc, la première édition. Elle, qui date donc, comme je le disais, de 86, vous permet surtout de jouer les membres de l'équipe d'origine. Donc on a Peter Venkman, Egon Spengler évidemment, Ray Stantz et Winston Zeddemore. Il y a également les caractéristiques de Janine, la secrétaire, de Dana Barrett évidemment. Donc voilà, on a Sigourney Weaver en version personnage de Ghostbusters. C'est plutôt intéressant. Et des cartes, évidemment, puisqu'il y avait quand même la possibilité de faire ses propres personnages. Mais le but, évidemment, c'était quand même plutôt avoué, était tout de même de jouer les personnages du film pour revivre un peu leurs aventures. Et tout était fait un petit peu comme ça. Alors, au niveau de cette première édition, donc en dehors du livre, donc on a How to Play, c'est le primer, comme ils l'appellent, ou le lisez ceci en premier. Où on présente donc les règles, avec en plus, alors oui, c'est vrai que j'ai dû mettre, voilà, ces fiches de référence, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elles sont issues on va dire, de la deuxième édition. On va dire interverti le matériel à l'intérieur. Oui, je l'ai peut-être rangé par erreur. Ça doit être probablement ça. Car il y a des fiches. Ouais, bah, comme j'y ai joué il n'y a pas très très longtemps, il y a dû y avoir interversion. Donc non, ce livret, il n'est pas dans la première édition, je crois. Il doit être dans la deuxième. Mais bon, c'est pas grave, je vous le représenterai quand je vais vous montrer comment dire, la deuxième édition. Donc il y avait deux ouvrages, ça, on est d'accord. Cela, ils y étaient bel et bien. Donc le Operation Manual et le Training Manual. Voilà, je vais vérifier dans la. Alors il y a dedans donc le Training Manual, oui, l'Operation Manual, on est d'accord. Le referee, oui, il y a quand même le Reference File, le Utility Kit, donc ça c'est les cartes équipements que je vais vous montrer. Les comment dire, les dés et le randomizer. Donc oui, c'est bien ça. Donc il y a quand même des fiches qui sont issues de la première édition, et donc je pense que je ne sais pas lesquelles que c'est en fait, parce que là elles sont marquées Ghostbusters International, donc ça veut dire qu'elles font partie de la deuxième édition. Il y a d'ailleurs le détail de ce qu'il y avait dans la boîte, justement, ce qui est assez étrange. Ou alors le concept de Ghostbusters International existait déjà dans le premier, mais j'ai pas souvenir. Bon, bref, c'est pas grave. L'important, c'est ce qu'il y a dans les manuels, on va dire, essentiels. Donc le training manual, en fait, ça vous décrit tout simplement comment gérer son personnage. Voilà, on vous décrit tout, voilà, les brownie points pour justement servir pendant l'aventure. Donc vous les dépensez aussi, un peu comme des points de héros. Voilà, les règles du Ghostbuster, etc. Donc là, c'est vraiment plus un livret du joueur qui vous dit comment utiliser votre équipement. Voilà, donc on vous présente évidemment les fameux équipements en question. Ils sont donc résumés sur des cartes. Après, on a un exemple de comment dire, de parties, plus des explications, on va dire, comment être un bon Ghostbuster, et à la fin des feuilles de personnages à photocopier, voilà, avec les plans aussi, on va dire, du quartier général de Ghostbusters, justement. Le voici. Donc voilà, on a vraiment uniquement, on va dire, les règles de base,
pour, on va dire, créer son personnage et le faire fonctionner. Voilà, même si, on va dire, je pense pas que. Enfin, c'était possible, évidemment, dans la première édition, mais bon, c'était quand même peut-être plus sympa de jouer les personnages de la série. Quoique. Mais donc, il y avait quand même la possibilité, comme c'est proposé justement dans la deuxième édition, après de créer sa propre équipe, sa propre franchise, et justement de vivre des aventures dans une autre ville. Le livre des opérations, donc lui est plutôt destiné donc au Ghost Master, puisqu'il s'appelle comme ça, le maître du jeu, et donc avec évidemment des conseils, voilà, comment gérer un peu tout ça, plus donc une aventure qui vous est présentée, donc qui s'appelle The Potato Couch, donc voilà, la patate sur canapé si vous préférez, donc c'est un peu le glandeur, si je puis dire. Voilà, il y en a un deuxième, donc The Horror of Biomed Chemtech, voilà, Return of the Sun Bride of Ghostmaster Tips. Donc là, on a un peu plus de conseils, plus la techno, la, les, des, comment dire. Des éléments, on va dire, sur la ghostologie, justement, savoir quels sont les différents types de fantômes. Je vous montrerai sur l'écran, ils sont le tout est résumé. Les franchises, donc oui, il y avait déjà les franchises, donc ce qui veut donc dire que techniquement, il y avait possibilité déjà de faire Ghostbuster International dans la première édition. J'en avais pas souvenir, puisque moi j'utilisais surtout la deuxième quand j'ai maîtrisé il y a de cela quelques temps. Et il y a donc un système de génération d'aventures aléatoires, ce qui est plutôt pas mal. Enfin bon, franchement, faire une aventure à Ghostbusters, c'est pas bien méchant. Et on va dire a cast of dozens, donc des PNJ, on va dire, prêts à l'emploi, divers et variés. Voilà, des scientifiques, des avocats, occultistes, voilà, et des fantômes en question. Voilà. Et une pub évidemment pour Paranoia. Donc voilà, on avait tout ça dedans. Donc, scénario et conseil, donc deux scénarios vraisemblablement, et plein de petites choses. Donc ça, c'est ce qui était dans la boîte de base en termes d'ouvrage. Donc, je pense que le livret devait probablement en faire partie. Oui, parce qu'il y avait un autre livret hein, dans la deuxième boîte. Donc on a en fait tous les... Donc oui, c'est bien le livret, comment dire, de la première édition, je ne me suis pas trompé. Je pensais l'avoir interverti, mais ben, non. Voilà, et donc on a le résumé. Justement dedans des différents types de fantômes avec leur niveau en fait et leur pouvoir, ce qui permet un petit peu de voilà de la classe 1 jusqu'à la classe 7, 7 étant évidemment plutôt Gozer le destructeur. Voilà, la présentation rapide des règles et les plans donc nécessaires pour les scénarios qui sont contenus dans le livret du maître avec donc voilà des facsimilés pour faire partie, on va dire, de Ghostbuster International. Et là, c'est votre testament que vous faites si jamais il vous arrive quelque chose. C'est plutôt rigolo. Voilà, la lettre d'acceptation de la franchise, si vous voulez faire donc partie de la franchise Ghostbuster. Donc là, c'est vraiment pour créer son propre groupe dans sa propre ville. Voilà. Avec donc tous les documents nécessaires et le résumé de la création de personnages. Voilà, donc ça c'était vraiment bel et bien dans la première édition, je ne m'étais pas trompé. Donc on avait les dés, comme je vous disais, bon voilà, ils sont pas terribles, hein, des rouges, plus le Wild Eye. Bon, c'est assez dur de trouver une boîte de première édition déjà pas chère et en plus avec les dés. Plus, bon là j'avais tout était déjà on va dire dépunché. Donc vous aviez les différents équipements que vous pouviez avoir, donc en particulier le fameux Proton Pack. Évidemment, qui sinon bah, vous allez avoir un peu de mal à faire votre boulot. Le Ghost Trap, évidemment, aussi. Voilà le piège à fantômes. Avec à chaque fois, on vous dit comment ça s'utilise. Voilà l'équivalent de l'Ecto 1, voilà qui vous est quand même présenté. La Protection Grid, oh, purée. Etc. etc. Le PKE Meter, donc. Pour sentir les, on va dire les effluves ectoplasmiques des fantômes, les talkie-walkie, la, comment dire, le mégaphone, les différents types de matériel dont vous aurez besoin, donc le compteur Geiger, l'ectovisor, donc pour percevoir évidemment les phénomènes fantomatiques invisibles. Etc. etc. Voilà, plus les livres, il y a quand même quelques livres aussi qui sont récupérables, hein, des livres d'occultisme
qui sont également proposés en carte de jeu, comment dire, un kit, comment dire, un kit d'escalade aussi, voilà, qui, je sais pas à quoi il va servir, un kit de plongée, il y a ça aussi, c'est des trucs que vous pouvez avoir, je sais pas trop pourquoi, plus donc la carte de membre de franchisé Ghostbuster, qui est également ici, donc il y en a quatre, voilà. Donc ça c'était pour les différents éléments qu'il y avait dans la boîte de base qui permettaient donc de jouer tout de suite et de jouer à un jeu franchement sympa qui permettait de revivre vraiment l'ambiance des films. Donc il fallait vraiment avoir quand même beaucoup d'humour, beaucoup de jouer cela de manière assez détachée. C'était vraiment le principe, hein. C'était parmi, je pense, les premiers jeux humoristiques qui sont sortis, on va dire, et qui ont eu, on va dire, l'audace de sortir. Et tout était vraiment bien, bien vu dans cette boîte de base. Alors, il y a eu des suppléments, je ne les ai pas tous, mais j'ai acheté, on va dire, un peu les principaux que j'ai réussi soit à trouver, soit que je trouvais intéressant à avoir dans la collection. Donc, l'écran première édition, qui n'est pas terrible, hein, sur les écrans Western Game, ils sont vraiment nuls, hein, que ce soit l'écran Star Wars, l'écran Torg, ils étaient tous moches. Mais bon, au moins, il a le mérite d'être utile à défaut d'être beau. Voilà, donc on a toutes les paramètres pour pouvoir les règles sont tellement simples de toute façon que voilà, c'est vraiment juste des descriptifs de petites choses pour se rappeler de certains éléments. Le fameux donc ghostologie, donc c'est-à-dire les différents types de fantômes, ça c'est à destination des joueurs. Et voilà, le rappel évidemment de l'équipement que vous avez sur vous. Voilà. Avec les différents traits aussi, résumé, un petit peu le résumé des règles aussi, comment ça fonctionne. Donc, et il y avait avec cela un petit livret. Donc il y avait déjà le livret, enfin le flyers de présentation du, comment dire, qui allait avec le pack de l'écran, plus une pub encore pour Paranoia, justement, on va y venir. Et dedans. Un scénario, je crois, voilà. Donc, en épisode, le scénario en question, donc qui s'appelle Ghost Hosties, n'est-ce pas? Donc, le premier épisode s'appelle Serial Killer. Donc, déjà, vous voyez, la blague, elle était déjà, comment dire, très éculée. L'épisode 2, donc Research, That's What Life Is All About. Épisode 3, The School of Hard Knocks, voilà. Et épisode 4, Peru or Bust. Pérou, c'est le Pérou, hein, c'est le pays. Bref, des petites pubs à la noix aussi, voilà, ça doit être des aides de jeu. Parce que bon, je pense pas qu'ils auront trop besoin d'acheter du steak ou du gorgonzola, à part pour faire un bon gueuleton. Voilà, quelques autres props encore qui sont nécessaires dans le scénario, plus les plans, etc. etc. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Épisode 5, donc du gros scénario, c'est The Sugarland Express. Voilà, avec des dessins, vous voyez, ça peut partir quand même dans le gros délire. On est bien d'accord. Mais avec les fantômes, et même, on va dire, l'ambiance Ghostbuster, on peut vraiment partir dans quelque chose d'extrêmement délirant. Et donc, épisode 6, The Final Conflict, où donc les Ghostbusters vont être, voilà, super. Face à une grosse grosse menace quand même à rétablir, enfin à affronter, et donc pour faire tout rétablir dans l'eau. Voilà, donc ça c'était le pack écran qui s'appelle justement Ghost Hosties, comme le nom du scénario. En fait c'est plutôt le pack scénario qui a pour couverture, on va dire, l'écran de jeu. On est plutôt là-dedans. Après, il y a un autre supplément pour la première édition, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Donc Hot Rods of the Gods. Donc pareil, c'est un gros scénario. Donc scénario de 48 pages, oui, c'est bien ça. Avec, comme d'habitude, plein de pubs, donc des pubs encore pour Ghostbuster et Paranoia qui étaient incluses dedans. Une couverture cartonnée. Avec les plans, donc le plan en vraiment très très schématique de Manhattan, si vous reconnaissez à peu près, plus des pions, des cartons à découper, puisqu'il va y avoir des poursuites, comment dire, en voiture fantomatique dans Manhattan, ça va être assez assez rigolo. Plus voilà, pour avoir les hommes en noir bizarres avec une tête bizarre, on va dire, que vous pouvez avoir en stand, en version, comment dire,
sur la table. Je sais plus à quoi ça sert, très sincèrement. C'est n'importe quoi. Voilà, une petite enveloppe pour renvoyer, on va dire, pour faire partie de la mailing list, recevoir les nouveautés, enfin être avoir les nouvelles. Et donc tout le scénario, qui est un scénario, donc il doit y avoir 7, 8 épisodes. Ah non, 12 épisodes. Voilà, qui se termine par la guerre des mondes, justement. C'est quand même assez. Donc Hot Rods of the Gods. Donc Hot Rods, hein, on va dire les voitures avec des grosses cylindrées qui font beaucoup de fumée, beaucoup de bruit et qui, on va dire, crament beaucoup d'essence. Donc avec donc vraiment une petite campagne. Hein, là, on est vraiment là-dedans, ce qui est quand même assez une grosse prouesse parce que faire une campagne quand même à Ghostbusters, c'est quand même pas évident. Je pense moi que c'est un jeu qui est plus pour jouer de manière épisodique, un scénar de ouais voilà, un scénar de temps en temps pour s'amuser, pour décompresser. Voilà, on joue comme ça un petit scénario très court. On peut jouer sur 3-4 heures sans trop de problèmes et voilà, et on rigole bien et ça détend. Alors jouer, comment dire, une grosse campagne comme ça, je ne sais pas ce que ça peut bien faire et valoir. Voilà, avec encore des props, des schémas, des plans assez étranges de cette fameuse d'une usine, plus on va dire d'autres choses. Voilà, carrément il y a Hot Rods Gods Board Game Hit Record Chart, donc il y a carrément un mini-jeu à l'intérieur justement qui va se passer sur le plateau en fait de que je vous ai montré. Voilà, avec le plateau qui est là, c'est vraiment un plateau de jeu qui est fait pour faire une course, hein. Et vous allez déplacer vos petits pions pour courir après les fameux comment dire les fameux bolides surboostés conduits probablement par des fantômes qui foutent le bazar dans la ville de New York. Donc voilà, en plus on a les illustrations. Et donc faire on va dire prendre faire prendre fin à cette mascarade. Ça va être un peu compliqué. Voilà, avec des petits passages également par quelques temples aztèques visiblement, des trucs bizarres. Bref, ça mélange un petit peu tout, mais bon, si on est dans le délire, je pense que on peut bien rigoler. Voilà, donc ça c'était pour Hot Rods of the Gods, un gros scénario mini campagne. Et le dernier supplément que j'ai sur la première édition, c'est Ghostbusters Scared Stealth. Voilà. Donc une escapade éthérée, dit-on. C'est un scénario donc de 32 pages qui se passe donc visiblement dans le monde. qui se passe à Wrath dans le Vermont. Je ne connais pas du tout le lieu en question, peut-être qu'il a une importance, on va dire, aux États-Unis. Voilà. Mais bon, c'est pas dans le New Jersey, donc ça veut dire que ça doit pas être trop pourri, comme diraient certains. Donc voilà, avec toujours les props, hein, les aides de jeu qui sont vraiment. Il y en a plein, hein, voilà, avec les cartes justement de fantômes. Également, qui sont des cartes de PNJ à découper, toujours un catalogue aussi, des plans, voilà. Où donc, on a quand même encore affaire à des scénarios. Ils avaient été vraiment très très productifs, hein. Et on voyait que l'équipe de Western Game était vraiment très créative pour faire du jeu fun et très très drôle en fait, et avec une volonté, on va dire, de faire vraiment des choses assez assez délirantes. Donc voilà, celui-là, pareil, je ne le connais pas trop, hein, parce que c'est vraiment des trucs que j'ai récupérés parce que j'en avais l'occasion pour la collecte. Je préfère faire mes propres scénarios. Et donc, je vous parle ensuite de Ghostbusters International. Le voici. Voilà, donc là, on est en 89 pour cette édition. Donc là, on a vraiment. On s'inspire, si je puis dire, et on surfe sur la vague du Ghostbusters 2, qui lui, je crois que c'est le Ghostbusters 2, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas revérifié les dates, et je crois que le premier doit être de 84, et le deuxième peut-être de 87, ou peut-être de 86, et du coup, le jeu est sorti la même année, en fait, et ils ont fait une deuxième édition pour justement suite, on va dire, au Ghostbusters 2. On
c'est vrai que là j'ai oublié de vérifier la date des films. Je m'en excuse, je remettrai en description si jamais. Voilà. Mais pour moi, en fait, celle-ci est vraiment surf sur la vague du Ghostbuster 2. Voilà. Donc, on a un livre là dans cette édition, un gros livret qui rassemble vraiment tout. Là où on avait deux livrets dans la première édition, là on a un livret de 140 pages qui décrit toutes les règles. Du point de vue du Ghost Master, il y a une partie quand même qui est plus une Ghost Master section. Pardon, oh là, je suis trop décalé en fait. C'est monsieur le Bimardom Chamallow qui m'a décalé. Là, je l'approche pas trop, hein, il risque de me bouffer cet enfoiros. Et donc, ça c'est la section pour justement décrire toutes les règles, toutes les voilà, et il y a une section aventure. Donc il n'y a plus de section vraiment du joueur. C'est vraiment un livre à destination exclusivement du MJ qui là vous permet là celui-ci on va dire je l'ai un peu plus parcouru qui redécrit en fait les mêmes règles que dans le premier sauf que là on vous décrit vraiment bien le système des franchises. Ce qui veut donc dire que là, vous créez votre propre personnage et vous créez aussi votre groupe de Ghostbusters dans une ville. Ce que j'ai fait, moi, par exemple, j'ai laissé le choix aux joueurs et ils ont choisi Montréal. Donc, ils ont vécu des histoires de fantômes au Québec, dans la ville de Montréal. Voilà. Et donc, il y a aussi dans la boîte le Read This First, comme d'habitude. Donc, un livret d'apprentissage où là on a carrément une petite aventure solo. En plus c'est en rouge, ça a mal passé à la caméra ça je le sens. Une petite aventure donc dont vous êtes le héros avec aussi des plans quadrillés hein, si vous voulez faire du Ghostbuster Tactical, c'est génial, on peut mettre des figurines et tout et on va mettre on va dire le terrible on va dire Bimardome Chamallow sur la carte, il va prendre toute la place et donc il n'y aura plus de place pour les autres hein. Ça va être terrible. Oui, parce que c'est celui-là qui faisait le générique de Ghostbuster, c'est pas le gros. Et donc, une aventure solo, je le disais, en 47 paragraphes, plus après tous les plans et autres, on va dire, documents dont vous avez besoin. Donc voilà, la feuille de personnage. Donc, moi, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Plus donc voilà votre testament et dernière volonté que vous signez avant et donc voilà le fameux Willis from the Mages donc vous faites signer ça à votre client pour dire que vous n'êtes pas responsable des dégâts qui seront on va dire commis pendant leur intervention. Donc on a un petit poster aussi qui était dedans où donc là on est dans le dessin animé, hein. Il y a eu un dessin animé de Ghostbuster officiel, en fait, tiré du film. Il y en a eu un autre aussi, hein, qui n'est pas le même Ghostbuster. Il y a deux franchises, faut faire gaffe à ce sujet. Et ça porte pourtant le même nom, mais il y en a un qui est tiré, on va dire, je crois que c'est. Ouais, c'est d'un vieux dessin animé donc des années 70, et l'autre, donc, qui est vraiment la version années 80. Qu'on a connu nous quand on était petit. Bon, et on a eu les deux en fait, et on a eu les deux gammes de jouets qui ont été à peu près, on va dire, concomitantes, si je puis dire. Donc on pouvait être un peu perdu. Mais voilà, celle tirée des films, on reconnaissait quand même bien, puisque c'était les personnages évidemment qui étaient mis en avant. Donc, dans voilà, ce qu'ils appellent dans ce livre-là, je reprends. Il y a donc l'UHM Game System qui est décrit, donc qui s'appelle Universal Homage, voilà. C'est-à-dire, vous devez faire en fait lancer donc des dés et faire la somme pour battre une difficulté. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça, comme dans le système Star Wars D6 qui va être donc son. Alors en fait, comme on est dans une version 89, Star Wars était donc lui sorti en 88. Donc voilà, le système reste quand même assez proche de la première édition. Il a juste été un petit peu révisé pour que les personnages, on va dire, soient. Les Brownie Points, en fait, je crois, sont passés en tant que vraiment point de héros. Et il y a, on va dire, une véritable jauge de points de vie, d'après mes souvenirs. Voilà, où, ah non, ils ont quand même gardé le système de Brownie Points. Non, c'est resté quasiment identique. Sauf que c'est quoi qui avait changé alors par rapport à la première édition? Eh bien, je ne sais plus, puisque j'ai utilisé surtout celle-là. Donc, au niveau de la différence, je crois qu'elles sont vraiment minimes. Hein, c'est juste des précisions de règles, des petites choses qui ont été revues,
redéveloppé, mais concrètement, on est vraiment dans la même, dans la même lignée. Voilà. Donc, toutes les règles dans la section Ghostmaster. Si, il y a quand même une section player. Je l'ai zappé. Où donc, vous avez au tout début les règles pour créer votre personnage, évidemment. Voilà. Faire également des petits conseils pour faire du roleplay, quand même. Hein, à l'époque, c'était quand même plutôt intéressant. Comment dire, tous les termes, on va dire, de parapsychologie et donc voilà l'interview, on va dire, entre Venkman et enfin l'interview, la discussion, on va dire, entre les membres du Ghostbuster de New York que nous connaissons bien pour sur justement à propos du, on va dire, des fantômes. Et juste après, donc on commence par la on poursuit par la Ghostmaster Section avec le système de jeu, comment ça fonctionne, donc voilà, comment lancer les dés, le Ghost Die, l'équipement, les petites choses que ça apporte en jeu, voilà, comment on les utilise, etc. etc. Les fameuses routines ABC qui permettent en fait de mettre des petits événements supplémentaires dans certaines situations, comme par exemple lors d'une poursuite en voiture pour on va dire obtenir, comment dire, un permis ou un document légal quand on va devant, quand on a un procès également, quand on recherche un document. Voilà, on a des petites choses comme ça qui nous expliquent comment on fonctionne chaque type en fait d'action. Et pour, on va dire, que le MJ, donc le Ghostmaster, puisse le gérer correctement. Après, donc, il y a les traits et talents, les pouvoirs donc des fantômes, comment les utiliser, etc. Donc voilà, on a une liste de talents, hein, donc au niveau des, donc qui va de animation, contrôle de l'esprit, dématérialiser un objet, se dématérialiser, voilà, voler, invisibilité, faire des illusions. Se matérialiser justement, faire des actions de poltergeist, donc faire balancer on va dire, des objets un peu partout pour fiche le bazar, lire l'esprit, se rétrécir, balancer du slime, évidemment aussi, ça c'est rigolo, invoquer, comment dire, des vermines, se téléporter et terroriser les gens, ce qui est quand même un peu le minimum. Donc voilà, ça c'est à peu près tous les pouvoirs auxquels on a accès. Et dans la section aventure, on vous explique évidemment comment mener une aventure. Et après, il y a de quoi faire une campagne. Le cast, évidemment. Donc, vous avez le cast, on va dire, de la plupart des personnages importants, plus, on va dire, les personnages utiles dans la campagne. Et donc après, vous avez des scénarios. Alors donc normalement, le premier s'appelle House Pests. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y en a un deuxième? Je crois que oui. Ouais, Dead Guys on Parade, le deuxième. Et ensuite, donc ça fait deux scénarios. Plus après, donc les fiches de personnages des héros de la série qui là sont carrément en feuille. Dans les pages du livre de règles. Voilà. Donc vous avez tout le monde, hein. Et également ce qu'ils appellent des capsule adventure. Donc c'est des aventures instantanées ou des idées de scénarios à développer. Voilà. Et vous en avez combien de ces capsules? Ils vous expliquent évidemment comment les utiliser. Et vous avez comme ça voilà, 19 idées d'aventure. Et en plus après donc les différents documents, sauf qu'ils sont répétés évidemment dans le livret que je vous ai montré, le livret rouge, et de quoi aussi, on va dire, faire des petits stands en carton, si vous photocopiez sur du carton fort, pour avoir évidemment des petites figurines, si vraiment vous voulez jouer Ghostbuster au niveau tactique, qui franchement, je ne sais pas où est l'intérêt. Mais bon, ça peut parfois, c'était une autre époque, hein. Voilà. Et j'avais acheté également l'écran de la deuxième édition qui était livré avec comment dire, le scénario justement qui permet de revivre en fait le film Ghostbuster 2. Voilà. Donc, qui date lui de 89 aussi. Donc vous aviez encore un écran moche. Voilà.
avec Viggo qui était dessus. Voilà, et vraiment Viggo il est moche, hein. Franchement, je ne referai pas la blague dans le film, mais bon, voilà, vous me comprenez. Comment dire, il était en trois volets, puisque en fait il y avait le quatrième volet que je tiens ici, où c'était concrètement le terrible ptérodactyle qui était découpable avec des gros cafards. Je sais pas à quoi ça servait, franchement, enfin, ça doit servir dans le scénario, évidemment. Voilà, et c'est quand même assez curieux, hein, de faire des écrans moches comme ça, avec des trucs bizarres à découper. Et donc, voilà, vous avez de quoi évidemment revivre les grandes scènes du film. D'ailleurs, il y a des photos du film, ce qu'il n'y avait pas, on va dire, dans la première édition. Ils n'avaient pas probablement les droits pour reproduire les photos. Mais là, donc oui, vous avez des photos du film en question, et on vous propose en fait de revivre vraiment cette terrible aventure avec Viggo dans son tableau qui fait des siennes. Voilà, et bon, ils ont changé quelques petits éléments quand même, hein, dans la chose, tout de même. Mais on reçut en fait d'une certaine manière les grands moments avec donc. Voilà, que je vous montre ici. Donc ça, c'est dans les props encore, dans les aides de jeu. Et c'est plutôt sympathique. Si vous voulez vraiment faire revivre le film, voilà. Mais bon, c'est pas l'identique identique, hein, quand même, hein, je vous rassure. Voilà. Et donc, évidemment, c'est toujours bien d'avoir du matos quand même sous la main, parce que même si vous ne jouez pas, il y a quand même pas mal de données qui vous seront utiles vous-même pour faire vos propres scénarios. En plus d'avoir l'écran, même s'il est moche, au moins il peut être utile. D'ailleurs, je trouve que l'écran première édition est plus utile d'ailleurs, et même mieux que l'écran deuxième édition. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout. Donc voilà, ça va, le Bibendum Chamallow ne m'a pas bouffé. Il est resté très souriant et très sympathique pendant cette présentation. Je suis rassuré. Moi-même, voilà, je vais donc retourner chasser du fantôme. Surtout que voilà, c'est une vieille maison. Il y a des vieux livres un peu partout. Donc à mon avis, il doit y en avoir des fantômes de vieux rôlistes qui doivent quelque peu hanter les lieux. Voilà, des fantômes aussi de vieux scénarios tout pourris. Ça, il doit y en avoir aussi. Pas mal, donc je crois que je vais devoir, on va dire, sortir l'artillerie lourde pour gérer tout cela. Donc c'était Magna Magister pour la revue donc de la gamme première et deuxième édition de Ghostbusters. Et donc, eh ben, n'ayez pas peur des fantômes. Et si on va dire vous avez un problème, eh ben vous savez qui appeler. Ghostbusters. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.